Salut Station Fréquence, c'est parti pour le QSO National Canal 27. Alors, on est le samedi 17 décembre 2016. Les bandes sont tracées côté à vous tous de la part de Dandy 33. Alors, avant de relâcher le micro, le week-end prochain, eh bien, ça tombe en plein sur le week-end de Noël. Donc, pour nous, pas de QSO. Le week-end suivant, c'est également en plein sur le réveillon du 1er de l'an. Donc pour nous, pas de QSO non plus. On reprendra, si je me trompe pas. Alors voyons ça, histoire d'être sûr. Allez. Vendredi 6 janvier 2017. Maintenant, rien n'empêche aux stations, s'ils veulent quand même faire le QSO de leur côté, de le faire. Pour ma part, j'y serai pas. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Non, il y a personne. Super, on est invité pendant 2 week-ends chez Dundee. Le week-end de la Noël et le week-end du 1er l'an. Merci, c'est trop. Merci. Bonsoir tout le monde. Eh bien, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Putain, j'entends plus rien d'un seul coup. T'es tout seul. Ben, on commence tout juste. Je viens juste de donner le top départ. Moi, 9h, il finit pas là, tu vas voir un peu. Bon, le bordelais, il doit être arrivé là. Le vrai Québécois, les stations. Allez, il y a le Québécois Girondin Charentais parisien qui vient de débarquer. 73, les stations, 14, Victor Eco 27, 14 ouvert, 027, opérateur Eric, le 6 de Bordeaux, c'est génial. Bonsoir à tous. Bonsoir, 14 Vico, c'est ça? Vico 27, c'est des chips, ça, non? Voilà, tout à fait. Ouais, ça fait visqueux, ça, un peu. Les 73, Eric. C'est pas trop de blanc, quand même. Oh putain, mon écran a même viré au rouge, là, au niveau du décal. Il y avait Jean-Marie qui était avec nous là, sur notre fréquence, je pense qu'il devait venir là. Attends Thierry, reprends le micro pour voir. Oui, pourquoi tu reprends le micro? Qu'est-ce qui se passe? Il y a problème? J'ai cru un instant que ça breloquait un petit peu dans la modulation, mais bon, non, ça doit être mes oreilles. J'ai cru un instant que ça breloquait un petit peu dans la modulation, mais non, ça doit venir de mes oreilles. Ah mais ça dépend comment je parle aussi, ça dépend, non, quand je suis assez loin du micro. Non, c'est bon, c'est moi qui dois bafuler et qui va fabuler une fois de plus. Ah, il y en a un qui siffle au loin. Ah, bah tu vois, moi aussi j'ai entendu en avant la station avec les bonnes soins de 1351 de la part du QSO national du canal 27, secteur sud-ouest. Bon d'accord, je suis qu'une petite station. Vas-y Thierry, fais-le rentrer. Bon, attention le siffleur, tu peux rentrer sur le QSO national. Là, c'est national. Il a du temps pour sa femme. Oui, parce que ça m'étonnerait que c'est sa belle-mère qui l'appelle comme ça. Quoi. Bah ouais, non, moi, il siffle comme ça, il est content. Il a sifflé, il veut pas parler sûrement. Il a sifflé, comme ça, il a vu qu'on l'entendait, il est content. C'est une façon de voir. Si, si, c'est commencé. Bah, tiens, il y en a un qui regarde. Oui, sauf que, ouais, là, je me suis pas attenté colis à force. Moi, je peux pas lire Miss France, c'est pas possible. Pourquoi? Mais moi, je pourrais pas. Tu donnerais un avis, elles sont combien? Je sais même pas combien elles sont, j'en sais rien, je regarde pas, puis ça m'intéresse pas.
Bon, ben, moi, ça... En tout, j'avais investi France. Ah, c'est vrai que c'est pas du dernier choix, on va dire. Ah, ben oui, ouais, parce que là, c'est quand même, voilà. Oh, là, il a une préférée, là, il est... Ah, bon, d'accord, bon. Faut qu'il y en ait une qui soit élue, bon, voilà. Moi, je m'en fous qu'elle soit Miss, Miss Avignon, Miss Aquitaine, Miss, Miss Charolaise, Miss... je m'en fous. Miss Charolaise et l'autre. Là, je sais pas, je suis moins sûr. Hein. Miss Olida. Mignon, attention. Dans les stations, pour le piéton national, y a-t-il quelqu'un qui voudrait rentrer dans le piéton en avant, les stations? Ah ouais, si tu vas les déranger, ils regardent Miss France. Ah, ce soir, si on a personne sur le QSO, enfin, pas plus de monde sur le QSO, on saura pourquoi. Eric, je t'ai envoyé quelque chose en message perso sur Facebook. C'est à propos de la fréquence dont on a parlé, là, cet après-midi. Oui, je l'ai reçu. Voilà, c'était... je m'étais un peu mélangé les crayons dans l'explication, ça change pas. Là, voilà, t'en sais plus. Et je crois que j'ai entendu quelqu'un derrière parler. Alors la station, là j'entends, c'est vraiment très 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 QRP, c'est une radio d'un demi-point, Santiago 0, les 113-51 toits de la part du QSO national du canal 27, section secteur sud-ouest, mais hélas, de mon côté, là j'arrive pas à te sortir mieux que ça. J'ai pourtant monté un peu le volume, mais hélas c'est trop QRP de mon côté. Je sais pas, Eric, est-ce que tu as entendu l'OM derrière la parler, hein? Et ce serait pas des fois Didier 012, puisqu'il est en train de faire des essais en même temps avec une petite boîte magique aussi en même là dans son fourgon. Ben oui, des 012, département 12. Oh oui, tiens, hier soir, les Roger Bip qu'on entendait, c'était lui justement. Attention Didier 012, attention Didier 012 pour le département 33 qui te s'appelle. J'entends l'OM qui parle, là, toujours derrière, mais j'entends pas mieux. Peut-être Thierry, tu n'entends pas plus? Non, je l'entends, mais c'est petit, je comprends pas ce qu'il dit. Bon, de toute façon, je verrai ça demain sur le forum. Là, il me laissera un message à coup sûr. J'ai entendu autre chose. J'ai un signal qui est monté à 2. Oui, en avant la station. À tous les coups, c'est un autre QSO parallèle qu'on entend derrière. Oh, sûrement, peut-être. Ouais, à tous les coups, oui. Bon, c'est pas grave, nous, on va continuer de notre côté. J'ai quelqu'un qui m'a fait monter le signal à 2 là, en avant la station. Le signal à 2? Oui, un seul signal et Santiago 2. Car il doit avoir des watts plus.
Hey, on n'est quand même pas sur une île déserte ici. Hein. Ah, je crois qu'il s'est fait livrer un camion de pizza. Là, il nous a dit là, dans la semaine qu'il n'était pas là ce week-end. Oui, j'ai pensé, mais il avait dit aussi le week-end dernier qu'il ne serait pas là. Ah oui, d'accord. Ouh, et l'autre là, il passe de mieux en mieux là. Ouais, ils entendent du monde aussi derrière. C'est marrant de voir que là, il y a d'autres régions aussi là qui sont en même temps actifs. Ouais, c'est sympa, quoi. Par contre, nous, là, ce soir, là, je sais pas si c'est un petit peu pas mal beaucoup de diesel, là. Là, on se sent un petit peu seul, là. Mais ouais, mais tout le monde est en train de... Ça y est, le ministre, on s'est passé à la télé, alors tu parles. Même les gars de la maison de retraite, je suis sûr qu'ils sont pas au lit, à cette heure-ci. D'habitude, à cette heure-là, ils sont, tu parles. Ils sont tous devant la télé, en train de voir des ministres. Les chacals! Ils ont quitté les Antilles pour pas quitter la quête. Oui! Oui, Eric! Est-ce que t'as des nouvelles de notre petit Charentais? Notre petit Charentais. Attends, Raphaël, j'ai zappé là. Ah ben, vite le grand Charentais. Ah d'accord, ok. Non, c'est vrai qu'en ce moment. Non, en ce moment pas trop là. Là, j'ai pas trop envie de l'embêter. Ouais, c'est vrai, il faudrait que j'arrive à lui envoyer un message, à aller aux nouvelles. Ouais, ok, non, c'est vrai. Je sais pas, donc j'ai pas eu de nouvelles non L'antenne, il faut la passer au miroir. Tu passes plusieurs couches dessus, ça excite bien comme il faut les ondes. Et puis là, elles se sentent plus, là, font la fête et ça cartonne après. Ouais, de mon côté, c'est vrai que toi, c'était assez QRP, c'était ouais, un point, c'était très petit quand même. Hein. En tout cas, c'est des gros bavards. Hein. On dit nous, mais putain la vache, là, ils nous battent. Hein. Ils doivent faire pareil, ils doivent se dire, il y en a qui parlent, voilà, ils doivent, peut-être qu'ils entendent tout petit, pareil, et voilà, ils sont comme nous. Ouais, ouais. Christophe, tu es pas dans le secteur des fois?
Putain, oui, ils sont tous devant la télé. Hein. Putain, les bandes de chacals. Là, on les reconnaît bien. Hein. Oh, la solidarité. Hein. C'est pas mal, là, ils sont devant la télé. Là, ils sont en train de baver. Là, ils ont les yeux écarquillés là, à 360. Là, et la bave qui pend. Alors, en arrivant, tu l'as fait ce petit apéro avec madame. Mais tu m'étonnes. Ok Michel, merci pour l'info. Oui, il y a quelqu'un derrière, Jeannot. Et 73 Michel, 73 Jeannot. Ou alors c'était Christian qui a dit Jeannot. Oui, c'est pas Jeannot, Jeannot on l'entendrait. C'est pas Jeannot. Salut la tour de contrôle, ça va lui. Je vous dérange pas, j'écoute. Ça va lui. Donc c'est bien Didier 012 là, qu'on entend derrière. Eh bien, il arrive à passer quand même. Hein. Ce qui lui manque, c'est juste juste un peu de propag. Bon, et de toute façon, je sais que là demain, il va se réécouter dans la vidéo. Il va voir que ça passe quand même un petit filet, quoi. Oui, Eric, tu dis qu'il y a Eric derrière 14 Yankee 1438, c'est ça? Putain, c'est langage de sourd. Il parle de Bordeaux, d'ailleurs. Bon, on a tour de contrôle, Vivi, tu vas bien? Dis donc, je te dis bonjour tantôt quand tu étais avec ton copain. Toi, tu t'es barré, tu m'as pas répondu. Je te réponds pas. Ça va, oui. Attention, Didier pour Bordeaux. Je crois qu'il va falloir que tu sortes la directive, là, Michel. Attention, Didier. Mais comme tu as dit, Rémi, il y en a un à vous, le lui ferme pas, alors. Ouais. Ça fait un bout de route quand même, hein, du département 12 à ici, hein, quand il n'y a pas de propague comme ça. Hein. Oh putain, mais je les entends bien, là, ils parlent de Bordeaux, ils parlent d'un routier qui allait sur Toulouse et tout, alors. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, à chaque fois, Didier, il me dit là, qu'il nous entend, hein, systématiquement, quasiment dans chaque QSO, là, il nous entend, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est un petit peu le gag parce que c'est là qu'on voit que la plupart du temps, c'est toujours les mêmes EOM qui viennent nous dire qu'on ne laisse pas de blanc et ainsi de suite. Qui, ben, quand on les observe, en fin de compte, ben, ils font pas mieux que nous. Ben.
Félicitations locales pour le QSO national du canal 27. En avant, j'ai entendu quelqu'un se signaler là derrière tout à l'heure. Je sais pas si des fois c'était pas. J'avais cru entendre Christian, mais apparemment ça devait être Eric. Pas Eric 14 Victor Echo 27, mais l'autre Eric, je sais pas. Retour sur toi, Eric 14 Victor Echo 27, là, pour nous dire ça. Aïe aïe. Oh Didier, pour Bordeaux. Tu m'entends pas? Eh non. Et je t'entends, mais il est semblant. Quand il est semblant, j'essaye de t'appeler. Oui, oui. Son indicatif 14 ODR 012. Ah, il y en a qui ont les oreilles ensablées, quoi. Ah, mais celui qui a voulu lui faire le pas, il a dit, il y a quelqu'un qui t'appelle. Donc lui, il m'a entendu, mais là, il a quitté pour le moment. Ça fait un blanc, au moins. Oh, putain, oui. Ok Didier 012, les bonnes sont 13:51 à toi. Voilà, j'ai toujours la petite vidéo là qui tourne. Il y en a encore pour 5 minutes. C'est bon, t'es dans la boîte. Ok, est-ce que tu arrives à m'entendre là Didier? Hello Didier, je fous de joie. Quoi. Ok, je vais faire un retour de micro sur Eric pour voir s'il arrive à t'entendre. Vas-y Eric. Oh là, là tu l'as poussé un peu plus, là je t'entends mieux là. Ok, ben on t'entend déjà, on t'entend un peu mieux là. Retour de micro sur Thierry pour voir si lui t'entend. Normalement oui. Oui, mais oui, ok, je t'entends, avec ta galaxie, il a 1500 watts, c'est ça, j'ai entendu qu'il a 1500 watts, On entend, c'est petit quand même, on t'entend quand même. Ok, retour de micro sur Michel. Ça passe bien.
Ah, c'est toi, Didier, mais oui, mais c'est souvent que tu nous entends, mais c'est rare qu'on t'entende. Allez, retour à toi, Rémi. C'est Didier, là, il passe bien maintenant. Ah bah oui, ouais, je... oui, oui, lui aussi, il a monté la petite boîte magique là dans son fourgon. Et là, il doit être sur une colline, justement, là, à proximité de chez lui, pour pouvoir justement essayer de nous avoir à tout prix, quoi. Car quasiment à chaque fois, ouais, pratiquement à chaque fois, il tente le coup là de nous avoir. Mais bon, c'est pas toujours évident. Et puis bon, des fois, il y a le mystère des ondes qui font que, ben, quand ça veut pas, ça veut pas, quoi. Même avec beaucoup de puissance, eh ben, quand c'est fermé, quoi. Et là, ce soir, bon, ça a l'air de vouloir le faire. Alors, département 012, eh bien, par rapport à nous, eh bien, c'est Est. Voilà, plein Est, Sud-Est. Si tu veux tourner la directive, c'est... ouais, voilà. Eh bien, tu tires sur le... Attends, voyez un petit peu comment on est. Ouais, bon, plein Est, et tu descends un peu. L'Aveyron, ok, ah bah oui, oui, l'Aveyron. Il aurait fallu que je puisse monter là sur la colline là, à côté de chez moi. Là, c'est sûr que j'entendrai mieux là, mais là, je suis complètement caché là de ce côté-là, quoi. Voilà, et c'est étonnant qu'il arrive à peine à m'entendre. Parce que là, c'est vrai que là, c'est mon point faible, justement, tout ce côté-là. Là. Toutes les stations qu'il y a du côté est, en général, je les entends pas, quoi. Ah, Didier, moi, il m'arrive dans les deux points, hein. Oh ouais, ben il me passe au-dessus de la tête, hein, voilà, c'est ça, hein, voilà ce qui se passe. J'ai dit que j'étais super content de pouvoir discuter pour une fois avec les gars de Bordeaux. Ouais, j'ai vaguement entendu. J'ai entendu autre chose aussi, je sais pas s'il y a une autre station qui se signale. Thank you.